pourra plus. La chanson bipolaire, alors ça c'est l'histoire d'un ours un petit peu spécial, un ours au comportement un peu écocide et qui voudrait être écologique mais qui n'y arrive pas car il est happé par ses instincts et ses désirs. Alors le clip il image assez bien la chanson, je pense que à part aussi peut-être la corrélation qu'il y a avec mon état d'esprit et ma façon d'être écologique, on se sent des fois un petit peu bipolaire, c'est-à-dire qu'on aimerait bien et puis d'un côté on pollue énormément malgré tout. De Vénus, je n'en ai pas l'essence. Je ne prédis aucun oracle. Ah, l'étoile intermittente, alors ça c'est une triple métaphore filée. Ça parle beaucoup de choses à la fois, c'est peut-être celle qui parle plus de... qui est la plus personnelle. Pour moi, ça parle un peu de comment je vis ma condition d'artiste, ce que j'en fais aussi. Je suis un peu, des fois, on peut être un peu intermittent, c'est-à-dire que surtout, j'ai des périodes très créatives et des périodes beaucoup moins. J'ai des périodes de doute aussi où on se dit, mais j'aimerais faire autre chose, peut-être que c'est pas mon truc. Puis au final, je dirais que la dernière, à la fin, le dernier couplet montre bien que en fait, c'est en moi et j'en ai besoin. Je dois gueuler, quoi. Je dois gueuler ce que j'ai envie. Et puis voilà, cette étoile intermittente, c'est un petit peu ma condition d'artiste. Un coup de gueule, on peut se le permettre en musique, ça passe toujours mieux que sur Facebook. ouais, c'est. Il y a quand même des absurdités, moi, qui me font sauter. Ouais. Qui m'empêchent de dormir et qui doivent être dénoncées, c'est pas possible autrement. J'ai des gamins, je peux pas laisser faire, ces types-là, quoi. C'est pas possible. J'aurais voulu dédicacer d'ailleurs cette chanson à mon assureur maladie. Chanson très personnelle, la plus vieille qui a été écrite, c'est qu'elle a plus de 10 ans, enfin pas plus de 10 ans, mais elle a presque 10 ans maintenant. Et puis c'est un hommage à un pote qui est parti trop vite et qui nous manque beaucoup. Cette personne-là était très très proche de... c'était notre manager de Regard du Nord d'ailleurs à une période. Et Pierre, mon collègue et Cyril sont venus rechanter pour l'occasion leur fin. J'en suis très très heureux d'ailleurs qu'ils aient participé à ça. Et peut-être que ça donnera des envies plus tard. Si tout commence par un cri, je ne me souviens que des caresses. Je me souviens d'un sourire. J'ai oublié tout le reste et si tout s'en va. Je me souviens, une chanson dédicacée à ma maman en premier lieu, mais aussi à ma femme. C'est la chanson, on m'a demandé beaucoup si, on m'a demandé si à la naissance de mon fils j'avais écrit une chanson pour lui. Et puis en fait, non, j'ai pas écrit pour lui, mais j'ai écrit cette chanson-là qui est plutôt pour ma femme, en voyant en fait l'amour qu'elle pouvait donner à ses enfants. En me rappelant aussi de ce que ma mère avait fait pour les 4 enfants que nous étions en famille, elle méritait une chanson. C'était la moindre des choses. Darius Rochebain, ta 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 Darius, ta 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 Darius, ta 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 Darius, ta 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 Darius, ta 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 Darius. une chanson qui est un hommage à une personnalité et un clin d'œil à un groupe aussi de la région, que je salue d'ailleurs. Mais surtout, c'était une chanson par rapport à l'homme public qu'on peut être et l'importance qu'un homme public peut avoir pour le téléspectateur sans qu'il s'en rende compte. Enfin, c'était un peu ça que j'avais envie de traduire. D'ailleurs, je lui ai envoyé, j'espère qu'il a compris le message et qu'il a accepté mon humour un peu bizarre. Sinon, je vais lui préparer une deuxième chanson. S'il fallait du temps pour l'univers, s'il valait mieux rêver moins grand, si les hommes avaient laissé la main. Liberté conditionnelle. C'est un peu la réponse à la chanson de Bipolaire. La réponse positive pour moi avec des solutions. Bipolaire est une chanson un petit peu... on n'avait pas trop de solutions plutôt que des critiques. Et puis, Liberté conditionnelle est un peu la réponse. Pour moi, c'est un peu un hymne à la sobriété heureuse.
Et puis je remercie aussi d'ailleurs Seda qui vient chanter sur cette chanson, un collègue de Bonnie and Clyde. Et ouais, cette chanson elle me tient très à cœur parce que j'ai moi-même des fois de la peine à me convaincre qu'il y a des solutions. Et puis cette chanson me fait du bien. Elle m'auto-soigne. Le tube aquatique, c'est un petit clin d'œil peut-être à la musique show business, un petit peu. Alors c'est assez drôle parce que je la critique un petit peu sans forcément la connaître parce que j'ai jamais baigné dedans. Mais je me suis rendu compte que voilà, certaines personnes préféraient des chansons un peu plus lisses et plus... Ouais, qui dérangeaient moins. Et du coup cette chanson-là, elle est un petit peu, elle est lisse dans sa conception musicale. C'est vraiment un peu de la soupe pop, c'est de la pop, une vraie chanson pop. Mais elle dénonce justement cela. Donc c'est un petit peu paradoxal, mais c'était l'idée. Je remercie d'ailleurs aussi Rico qui fait des super voix sur ce morceau. Pas pris dans les filets des notables et pour éviter les requins aux dents longues et acérées, j'ai fait appel à un copain. Connais bien les lois du marché.